commencer avec ce psaume 32 que j'aime beaucoup. I want to start with Psalm 32 that I love so much. Amen. Et là, j'ai ma Bible en anglais, donc je vais essayer de lire ici en anglais. I'll read in English about my English Bible. Amen. Amen. Blessed is the is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man in whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. When I kept silent, my bones grew old through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy upon me. My vitality was turned into drop of summer. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. For this cause, everyone who is godly shall pray to you in the time when you may be found. Surely, in a flood of great waters, they shall not come near him. You are my hiding place. Amen. You shall preserve me from trouble. Amen. You shall surround me with songs of deliverance. Amen. May the Lord be praised. Amen. Amen. Que Seigneur soit loué. Amen. De David, cantique. Heureux à qui, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient et gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Amen. 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 Nous avons lu le psaume 32. We read Psalm 32. Amen. Amen. C'est très important ce psaume. It's a very important psalm. C'est un psaume où nous pouvons voir le pardon du péché. Where we can see the forgiveness of sin. Comment nous pouvons voir combien Dieu est bon. And therefore we can see how good God is. David ici. Yeah, David. Se réjouit. And rejoice. Du pardon. Of the forgiveness que Dieu lui a donné. That God has granted him. Parce qu'il avait péché. Because he had sinned. Mais aussi longtemps qu'il était dans cet état de péché. As long as he was in this status of sin. Amen. Amen. Alors, il ne pouvait pas he couldn't recevoir la guérison de son cœur. Receive healing in his heart. Amen. Amen. Jusqu'à ce que until Nathan le prophète vint avec la parole. Came with the word. Alors cette parole a révélé le péché de David. And then this word revealed the sin. Amen. Amen. Et David s'est senti condamné dans son cœur. And David felt condemned in his heart. Et il a avoué son péché. And he recognized his sin. Et il a reçu son pardon. And received his forgiveness. C'est ainsi qu'au verset 6. That's why in verse 6, il dit, he says, prenons le verset 5 au verset 6. Oh, let us start from verse 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Acknowledge my sin unto me. Je n'ai pas caché mon iniquité. And my iniquity I have not hid. J'ai dit, I said, j'avouerai mes transgressions au Seigneur. I will confess my transgressions unto the Lord. Et tu as effacé la peine de mon péché. The iniquity of my sin. Le verset 6 est capital. Verse 6 is important. Qu'ainsi,
For this, tout homme pieux shall everyone that is godly te prie au temps convenable. Pray unto thee in time where thou mayest be found. Amen. Amen. Si des grandes eaux débordent, surely in the flood of great waters, elles ne l'atteindront nullement. They shall not come night unto him. Tu es un asile pour moi. Thou art my hiding place. Tu me garantis de la détresse. Thou shalt preserve me from trouble. Mais le dernier, la dernière partie du verset 7 est très merveilleux. Last part of verse 7 is very nice. Tu m'entoures de chants de délivrance. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Amen. Amen. Qu'ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. Amen. Every man that is godly shall pray unto thee. In the time that thou mayest be found. Et voici le temps convenable. This is the appropriate time. Amen. Le temps convenable, c'est maintenant. Amen. This appropriate time is now. C'est le temps de grâce. The time of grace. Amen. Amen. Le Seigneur est encore sur le temps de grâce. The Lord still on the throne of grace. Amen. Amen. Où il intercède pour nous. Where he intercede for us. Il a dit quand il était sur terre. He said when he was on earth. Il est avantageux pour vous. It's better for you. Que je m'en aille. That I go. Amen. Amen. Si je ne m'en vais pas. If I do not go. Vous ne recevrez pas de la part du Père la promesse qu'il a. Devait vous donner. The Father, the promise. Amen. Amen. C'est pourquoi il est retenu au ciel. That's why he is still. He's still in heaven. Amen. Amen. Pour notre restauration complète. For our complete restoration. C'est ainsi que par la grâce de Dieu. So that by the grace of God. Accepte que tes péchés sont pardonnés. Amen. You must accept that your sins have been forgiven. S'il y a lieu de se repentir. If there is way to be repent. Fais-le maintenant. Amen. Or that you should repent, repent now. Amen. Amen. Parce que la repentance est annoncée maintenant. Because repentance is announced now. Pour que chacun de nous soit réconcilié so avec Dieu. So that each one of us must be reconciled with the Lord. Au travers de la mort. Through the death. De Jésus-Christ à la croix. Of Jesus Christ on the cross. Nous avons été pardonnés. We have been forgiven. Il est mort pour nos péchés. He died for our sins. Il est ressuscité pour notre justice. Amen. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, that's why today, c'est ton jour. Today is your day. N'endurcis pas ton cœur. Do not harden your heart. S'il y a quelque chose en toi if there be something in you, qui empêche ta relation avec Dieu, it is, stopping your relationship with voici God. Le temps convenable. This is the appropriate time. Dieu te donne encore la grâce aujourd'hui. God is still giving you grace today. Il te donne la possibilité encore aujourd'hui. He's still giving you possibility today. Que tu acceptes ton pardon. That you accept your forgiveness. C'est par amour. It is by from amen. Amen. Qui from love, te l'est dit. Out of love, car Dieu a tant aimé le monde. God has to love the world. Il a donné Jésus-Christ. That he gave Jesus Christ. Afin que quiconque croit dans le Fils. So that whosoever believes in the Son. Puisse avoir la vie. We have eternal. Amen. We have life. Accepte le pardon de tes péchés. Accept the forgiveness of your sins. Et crois de tout ton cœur. And believe with all of your heart. Comme nous l'avons chanté. As we sang. Amen. Amen. Dans peu de temps. So, nous monterons. We shall go. Nous irons à sa rencontre. We go with, to meet him. Mais cela est possible. And this is possible. Seulement. Only. Pour celui qui croit. For he who believes. Pour celui qui a donné sa vie à Jésus. Pour celui qui vit pour Jésus. C'est très important qu'aujourd'hui nous puissions réaliser cela, frères et sœurs. Une chose est croire et l'autre chose est combattre pour la foi. Si vous avez cru, if you have believed, ah, le moment est arrivé pour nous the time have come for us now, de combattre maintenant pour cette foi. For this faith. Amen. Amen. Et Jésus disait toujours, Jesus always said, celui qui veut me suivre, he who wants to follow me, qu'il prenne sa croix that he should take his cross, et qu'il me suive. And follow me, parce que ça ne devait pas être facile. Because it was not going to be easy. Amen. Amen. Le chemin de la croix the way of the cross, ou le chemin du calvaire, or the way of calvary, c'est un chemin difficile. Is a difficult way. Amen. Amen. Rappelez-vous qu'il y a la chair. Remember that there is a flesh, la chair dans laquelle nous habitons, the flesh in which we live, c'est une chair is a flesh, qui a des désirs,
which have desire contraire à l'esprit. That are contrary to the spirit. Amen. Et notre bataille and our battle ne doit pas être selon la chair, doesn't be according to the flesh, mais contre les mauvais esprits. Against the wicked spirit. Pour cette raison, for this reason, prenez avec moi Ephésiens chapitre 6. Ephesians 6. Amen. Amen. Nous allons voir les armes de Dieu. Amen. L'armure de Dieu qui nous permet de combattre réellement pour la foi. The armor of God who allows us to really battle for the faith. Amen. Amen. Nous sommes dans Ephésiens au chapitre 6. Nous prenons déjà le verset 10. Amen. L'Écriture dit, the scripture says, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. For finally, my brethren, be strong in the Lord. Et par sa force toute puissante. And in the power of his might. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Put on the whole armor of God. Il est dit de toutes les armes de Dieu. All the whole armor. Afin de pouvoir tenir ferme. That you may be able to stand against. Contre les ruses du diable. The devil. Donc, pour tenir ferme contre les ruses du diable, stand strong or firm, il faut prendre toute l'armure de Dieu. You have to take the whole armor of God. Amen. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair for et le sang, not against flesh and blood, mais contre les dominations, but against principalities, contre les autorités, against powers, contre les princes de ce monde, against the ruler of darkness of this world, contre les esprits méchants, against spiritual wickedness, dans les lieux célestes. In high places. C'est pourquoi, wherefore, prenez toutes les armes de Dieu, take unto you the whole armor of God, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, able to withstand in the evil day, et tenir ferme, and having done, après avoir tout surmonté. Le mauvais jour, c'est aujourd'hui. Yeah, the wicked day is today. C'est-à-dire que c'est un jour glorieux. That means it's a glorious day. Parce qu'il y a la révélation. Because there is a revelation. Dieu, dans les ténèbres du temps de la fin, in the darkness of the end time, il nous a envoyé la lumière. Has sent the light unto us, qui est sa parole. Which is his word, qui est la révélation. Which is the revelation. Mais là, dans ces ténèbres-là, in this darkness, nous devons reconnaître que c'est un jour très mauvais. We must recognize that it's a very wicked day. C'est un jour où le diable, it is a day where the devil, agit avec véracité. Strongly. Oui, il agit avec beaucoup d'ardeur. Acting so strongly. Il rôde tout autour de nous comme un lion. That he goes about us as a lion. Cherchant qui dévorer. Searching who he may devour. Amen. Amen. Il est féroce. He's famous. C'était le mot que je cherchais. That's the word that j'ai dit véracité. Il n'est jamais vrai. Le diable n'est jamais vrai. I say veracity because the devil is never true. Amen. Amen. Il est féroce en fait. He's famous. Violent. Violent. Dangereux. Dangerous. Amen. Amen. Il vient que pour tuer, détruire, égorger. To slaughter, to kill. Il vient toujours par une pensée. He always comes with a thought. Comme il a fait au commencement. As he did from the beginning. Il vient toujours donner le doute d'abord. First coming to give a doubt. Avec des mauvaises pensées. With the wicked thoughts. Vous opposez. And to you oppose. À la parole de Dieu. To oppose yourself to. Il essaie toujours de vous dire. Always try to tell him que Dieu n'existe pas. Tell you that God is not a Jew. Jésus n'est jamais mort. Oh, Jesus never died. Non, tout ce qu'on te dit, c'est pas vrai, and c'est all faux. That telling you is wrong, is false. Est-ce que tu as vérifié ça? Did you check this? Regarde ta vie. Look at your life. Si Jésus était vivant. If Jesus was alive. Si Dieu réellement est en vie. If we really God is alive. Pourquoi tu dois connaître des moments difficiles? Why could you go to difficult times? Pourquoi ça dans ta vie? Pourquoi ceci? What that? Pourquoi tes enfants sont comme ça? Why are your children this way? Pourquoi tu n'as pas d'argent? Why don't you have money? Pourquoi tu dois toujours souffrir? Why you must always suffer? Ça veut dire que Jésus en question n'est pas vivant. That means Jesus in question is not alive. Il vient par ses pensées. He come by this
kind of thought. Amen. C'est pourquoi il est dit, that's why it's nous ne luttons pas contre la chair, not war or wrestle, mais flesh contre and blood, les mauvais esprits. Against the wicked spirit. Et ces esprits viennent par des mauvaises pensées. These spirits come through wicked thoughts. Amen. Ça peut utiliser votre mari. They can use your wife. Ça peut utiliser votre femme. Ça peut utiliser tes enfants, tes amis. Mais il faut que tu aies la parole abondamment dans ton cœur pour pouvoir détecter que cette pensée là, c'est pas une pensée divine. Amen. C'est une pensée du malin. C'est pourquoi nous devons prendre toute l'armure de Dieu. Parce que notre lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang, not against flesh and blood, mais contre les dominations, against, wicked spirit, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour to withstand in the evil day, et tenir ferme and having done après avoir tout surmonté. To stand. Frère, la bataille est forte. Beloved, the battle is strong. Amen. Amen. Alors ne désarmez pas. Amen. Do not give up. Si vous vous combattez, if you are fighting someone, vous devez toujours avoir votre garde. Si tu fais ça, and if you put your guard down, you let tu donnes l'accès à l'ennemi. And you give access to the enemy. Il peut te pénétrer à n'importe quel moment. He can enter you anytime. Donc ta garde doit être comme and ça tout le temps. Always keep your guard. Alors cette garde là, and this guard, ce sont les armes de Dieu. Those are the weapon of the armor of God. Verset 14 nous dit. Verse 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Stand there for having your lance girt pour ceinture about with truth. Revêtez la cuirasse de la justice. Breastplate of righteousness. Comme on a toujours dit, as we have always said, quand tu mens beaucoup, when you lie so much, amen, tu donnes l'accès à l'ennemi dans ta vie. You give access to the enemy in your life. Amen. Amen. Il y aura des moments où there shall be time when tu vas vouloir faire ce qui est juste. We want to do something that's just. Résister. On resist. Tu ne pourras pas. You will not be able. Le diable va réclamer ce mensonge. Because the devil will claim this lie. Parce qu'il sait que tu mens. Because he knows that you lie. Amen. Le mensonge vient du diable. Lies come from the devil. Le mensonge rapproche toujours de Satan. Lies always draw you nearer to Satan. Amen. La vérité te rapproche de Dieu. And the truth draw you nearer to God. C'est pourquoi nous devons tenir, prendre comme rein la vérité. La vérité qui vient de la parole de Dieu. Coming from the word of God. Amen. Doit être au centre de notre cœur. This has to be at the center of our heart. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. Aujourd'hui, parfois, il y a des combats qui arrivent, ou des problèmes qui arrivent dans notre vie par le manque de vérité. La vérité aussi est liée à la sincérité du cœur. Linked to the sincerity of the heart, et à l'honnêteté du cœur. And to the honesty of the heart, un cœur honnête, a honest heart, un cœur sincère, a sincere heart, ce cœur là, that heart, doit voir la gloire de Dieu. We see the glory of God. Quand le cœur est honnête, when the heart is honest, quand le cœur est sincère, when the heart is sincere, la vérité s'assoit. The truth sits. Amen. Et il y a les fruits. On voit les fruits. And send its fruit. On voit Christ. And you can see Christ. Amen. C'est ce que l'esprit, c'est ce que l'ange a dit à Frère Branham. This is what the angel said to Brother Branham. Si toi, Branham, if you, Branham, tu peux être sincère dans ton cœur, you can be sincere in your heart, et que tu peux emmener les gens à te croire, can bring people to believe you, rien ne va te résister. Nothing will withstand you.
Cette parole est certaine. And this word is true. Quelqu'un qui a un cœur sincère. He who has a sincere heart. Un cœur honnête. An honest heart. La vérité va s'installer dans son cœur. The truth will be installed in his heart. Et si tu prononces une parole. And if you pronounce the word. Parce que. Because. Il y a la vérité dans ton cœur. There is a truth in your heart. Alors. Dieu finit par confirmer sa parole. God will finally confirm his word. Dieu ne va pas confirmer ta parole à toi. God will not confirm your word. Mais il confirmera sa parole en toi. In you. Parce que Dieu est la vérité. God is the truth. La femme tsunamite a dit à Élie, la parole de Dieu dans ta bouche of God in your mouth est la vérité. Is the truth. Amen. Parce qu'elle reconnaissait que ce que Élie disait était la vérité. Was the truth. Et son enfant est ressuscité. And her son came back to life. Amen. Amen. C'est comme aujourd'hui. Nous avons un témoin vivant sur la terre we have a true witness qui a entendu la voix audible de Dieu. Amen. Nous croyons que lorsqu'il parle, la parole de Dieu dans sa bouche est la vérité. Nous avons un pasteur ici qui est sous le même ministère. Who is under the same ministry. Amen. Amen. Nous croyons que lorsqu'il prononce une parole, when he pronounce a word, la parole de Dieu dans sa bouche word of God in his mouth est la vérité. Is the truth. Amen. Maintenant, nous aussi, we also, qui venons à Dieu, who comes to God, amen. Si nous sommes sincères dans notre cœur, si nos cœurs sont honnêtes, if our hearts are honest, alors la vérité va s'installer. Therefore, the truth will sit. Quand nous prononçons la parole, and when we pronounce the word, cette parole a un effet, and that word have an effect, parce que nous sommes enfants de Dieu. Because we are sons of God. C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, that's why it's important de prendre la vérité. To take the truth, amen. Amen. Sa ceinture. And amen. Guard it as your belt. Parce que c'est la vérité qui conduit à la justice. That will lead to justice. C'est la parole de vérité, amen. The word of truth qui conduit à la justice de Dieu. Lead to the righteousness of God. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Why are they saying that Jesus Christ died for our sins? Parce que c'est vrai. Because it's true. Amen. Amen. Il est venu pour ça. He came for that. Et il est réellement mort. He really died. Donc c'est une parole de vérité. It is a word of truth. Et c'est voilà pourquoi quand nous croyons ça, that's why when we believe this, nos péchés sont pardonnés. Our sins are forgiven. Et nous sommes ressuscités en lui. And we are risen in him. Et notre foi atteint la justice de Dieu. And our faith reaches the righteousness of God. Donc la vérité, frère, the truth, brothers, doit être dans le cœur. Must be in our hearts. Make sure que chaque fois que tu parles, tu dois parler selon la vérité. You must speak according to the truth. Chaque fois que tu dois dire une parole, each time you have to say a word, dis la vérité. Say the truth. Ne mens pas. Do not lie. Même si on va t'arrêter, on va te faire du mal, and they will do something bad mais to you, défends la vérité. Defend the truth. Reste du côté juste. And stay on the side of the righteousness of amen. The truth. C'est la vérité qui fait fuir Satan. It is the truth that makes Satan run away. C'est très important, frères et sœurs, very important, brothers and que sisters, le croyant that the believer puisse saisir ça. Be able to grasp this et comprendre and understand it. Que seulement avec la vérité that only with the truth, tu peux vaincre. You can overcome. Parce que la vérité c'est Dieu. Because the truth is God. Amen. Amen. Il est dit, it is written, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Nous sommes en train de voir l'armure de Dieu. We are now seeing the armor of God. Ce qui va nous aider à combattre pour la foi. This is what will help us to wrestle for the truth. Parce que for the faith. L'incrédulité combat unbelief. Combat la foi. Amen. Amen. Maintenant, la foi, elle est soutenue par ces choses-là. Faith is sustained by this thing. Par la vérité. By le zèle. By the zeal. Que donne l'évangile de paix. The gospel of peace. Être zélé pour Dieu. Being zealous for God. Dieu n'est jamais injuste. God is never unrighteous. Pour oublier
ce que vous, vous faites pour lui. To forget what you do for him. J'étais venu ici à 18h10, j'étais déjà là. 10 past 6, et par la grâce de Dieu, on a pu installer tout. Mais jusqu'à 18h30, il n'y avait personne ici. Half past 6, there was no one here. Et ça, ça fait mal. And this is hurting us. Ça montre que le zèle que nous avons that Dieu the zeal that we have est en train de tomber. It's going down. De tomber. It's failing. Il y avait des moments où 18h30, tout le monde est là. When on est en train d'installer. Everyone will be here. Mais là, ça fait deux fois. It's been twice. 18h30, je suis là. Half past avec la soeur. With the sister. Personne n'est là. But there's no one. Où est parti le zèle? Where is the zeal gone? Amen. Où est parti le zèle? Where is the zeal gone? C'est très important. It's very important, brothers and sisters. Que ces petites choses là. That this little. On appelle ça petite chose, mais ça soutient ma foi. All the little things. Nous devons combattre pour ça. The faith. Amen. We have to wrestle for this. On arrive en retard. We come late. On vient, on s'installe. And we sit. Et ça devient comme une formalité maintenant. And now they come formal. C'est ça. Si c'est maintenant une formalité, il n'y a plus rien. On devient religieux. Then. Et nous devons savoir une chose. Nothing else. Lorsque nous disons 18h30, la conférence, 6:30, the meeting starts. Dieu est là. God is there. Dieu est fidèle. Lui God est là. Is faithful, is there. Mais c'est nous qui ne sommes pas là. But we are not there. Amen. We are the ones who are not there. Alors, nous devons voir, revoir ça. We have to see this. Le zèle ne doit pas baisser. That the zeal shouldn't go down. À cause des soucis de la vie. Because of the care of the life. Ou à cause des problèmes de la vie. Or the problem of this life. Les problèmes peuvent être là. Problems can be there. Mais ça ne peut pas bousculer le zèle que vous avez pour Dieu. That we have for God. Amen. Amen. La maison de Dieu, l'église de Dieu, c'est un endroit où les saints se retrouvent. Is a place where the saints gather. Et quand les saints sont là, Dieu est là. When the saints gather, God is there. C'est la présence de Dieu qui fait de nous saints. It is the presence of God that makes of us saints. C'est pourquoi nous sommes les saints. That's why we are the saints. Alors, quand nous venons ici, when we come here, il faut avoir la crainte. We must have the fear. Dès que tu entres ici, when you enter here, tu te sens que tu es dans la présence de Dieu. Normalement, on ne veut même pas parler ici. We shouldn't even speak in here. Quand tu rentres, when you get s'il faut parler, tu parles doucement. If tu parles someone speaks to you, juste passer un message. Parce qu'on ne vient pas ici pour voir quelqu'un. Slowly, just to speak to someone or whisper. Si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire, it's necessary. Otherwise, tu vas t'asseoir, you go and sit, et tu es en méditation. And you remain in meditation. Tu montes dans zèle à Dieu. Amen. And you should show yourself to God. Lire la parole. Or you read the word of God. Amen. Amen. Et tu es en méditation déjà. And you start meditating already. Tu prépares ton cœur. And you prepare your heart. À le recevoir parce qu'il est déjà là. To receive him because he's already there. Amen. Amen. Ici on ne mange pas. On ne vient pas manger ici. We do not eat here. We do not come here to eat. Amen. Amen. Si vous avez quelque chose à manger, if mangez là-bas. Something to eat, eat mangez dehors. Mais ne mangez pas ici. Do not eat here. Vous pouvez boire de l'eau s'il fait chaud. You may drink water if it's hot. Mais tout ce qui est manger, all that is c'est eating and drinking. Nous devons déployer le zèle. C'est très Amen. Important. We have to show the zeal. Amen. Ça ne doit pas être une formalité. It shouldn't be a formality. Alors nous continuons pour lire. Il est dit. Continue reading. Amen. Amen. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Above all, taking the shield of faith. Amen. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Where we shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Il n'y a qu'une seule chose qui fait peur à Satan. Only one thing that makes care Satan. Amen. C'est lorsque vous croyez. It's when you believe. De tout votre cœur. With all of your heart. Lorsque vous avez confiance. When you have trust. Dans ce que Dieu dit. Amen. C'est pourquoi c'est important, that's why it's important d'avoir la foi. To have ne doutez jamais. Do not doubt. Sur une parole. Amen. The word of God. Amen. Don't doubt any word.
Ce que Dieu dit peut retarder. Oui. Ça peut retarder. What God say can tarry. Mais ça arrivera. But it shall happen. Parce que Dieu l'a dit. Because God have said. La parole de Dieu est esprit et vie. The word of God is spirit and life. Notre responsabilité, c'est de la croire, c'est de l'accepter, c'est d'avoir un cœur sincère, un cœur honnête qui croit la parole. Ne doutez jamais un instant au sujet d'une parole de Dieu. Amen. C'est ça notre victoire. Quand le diable voit que tu crois, il ne peut même pas être là, il ne peut même pas. Come forward. Parce que la présence de Dieu est là. The presence of God is there. Alors, il va chercher à devenir votre ami. He will try to à cause de la présence de Dieu. Because of the presence of God. Parce que le diable parfois. Because sometimes the devil cherche à aller dans la présence de Dieu. Is seeking to come to the presence of God. Vous avez vu ça avec Job. You saw it with Job. Amen. Amen. Il va vouloir passer par, mais il ne vous fera absolument rien. Parce qu'il voit que vous croyez la parole. Mais il viendra quand même pour vous tenter. Parce qu'en lui, il n'y a pas la vérité. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie toujours, de tenter, de voir s'il peut vous gagner encore. C'est le manque de vérité en lui. C'est les ténèbres qui l'habitent. C'est la malédiction qui repose sur lui. The curse that is upon him. Amen. Amen. Mais vous, gardez la foi. Keep faith. Ne doutez jamais. Croyez que vous êtes pardonné. Believe that you've been forgiven. Acceptez votre pardon. Accept your forgiveness. Jusqu'à expérimenter ça. Until you experience it. Expérimentez aussi votre foi. Experience also your faith. Amen. Amen. Il y a des actes de foi. There are acts of faith. Tu peux faire un acte de foi. You can à Dieu. Perform an act of faith to God. Je crois ce que Dieu a dit. And that you believe what God has said, that is the truth. Amen. Amen. Dieu a dit. God has said. Si tu payes la dîme, if you pay your tithes, tu vas voir ma main. You will see my hand. Paye la dîme. And he said so. Et tu vas voir si réellement cette parole est vraie. See, if really this word is the truth. Amen. Il te reste absolument rien. Seulement l'argent de la dîme. You have nothing but only your tithe. Alors tu vas dire. And he will say. Mais si je donne, mais comment je vais payer ma maison? If I pay this, how am I going to pay my rent? Si je paye ça, comment je vais payer mon téléphone, mon bill de téléphone? If I pay this, how would I be able to pay my telephone bill? Electricité, or electricity and all this? Mais Dieu a dit. But God has said. Fais. Do it. Et tu verras. And you shall see. Tu verras si je n'ouvre pas les écoles. You shall see if I do not open the windows of heaven. Alors, fais l'acte de foi. So, commit that act of faith. Obéis à la parole. Obey the word. Et tu vas voir le résultat. And you shall see the result. Amen. Amen. Il y a des actes de foi. There are acts of faith. Par exemple, il y a des gens. For example, tu es malade. They are ill. Tu es vraiment malade. They are really ill. Maintenant, tu dis. And you say. Je prends toujours ces médicaments. I always take this. Je ne suis pas. Tablet. Je ne suis jamais guéri. And I'm never healed. Bon, maintenant, je ne prendrai plus des médicaments. I will not take this medicine. Je demande à Dieu de me guérir. Seigneur, ask of God to heal me. Le fait que vous croyez à la guérison divine. Into divine healing. Ça veut dire qu'il y a une guérison divine. It means that there is a divine healing. Sinon, je n'allais pas croire à ça. Otherwise, you wouldn't have believed. Donc, il y a une profondeur en vous. There are deepness in you. Amen. Amen. Qui vous pousse à croire. That is pushing you. Qu'il y a une guérison divine. That is, there is a divine healing. Alors, vous posez un acte de foi. And then, perform an act of faith. J'abandonne les médicaments. I'm abandoning this medicine. Je ne boirai plus les médicaments. I will no longer drink it. De toute façon, les médicaments ne guérissent pas. And anyway, this medication does not heal. Les médicaments soignent. They just give you a. Celui qui guérit, c'est Dieu. They don't heal. They just give you the treatment. Amen. Thank you. La médecine aide seulement le corps, mais c'est Dieu qui guérit. The medication only helps the body, but God is the one who heals. Voilà. Amen. Alors si vous mettez un acte de foi, and if you commit an act of faith, vous allez voir. Si vous avez vraiment la foi, if you really have faith,
Tu abandonnes, tu verras que tu seras guéri. You abandon and see that you will be healed. Maintenant, si tu n'as pas la foi, now if you do not have faith, continue à prendre tes médicaments. Continue taking your medicine. N'interprète pas ce que je dis. Faut pas mal interpréter ce que je dis. Badly or wrongly interpret what I'm saying. Je n'ai pas dit qu'il faut pas prendre les médicaments. I'm not saying you shouldn't drink tablets. Mais si tu as la foi, if you have faith, tu peux laisser ça. You can let it go. Et tu verras. And you shall see. Amen. Amen. Et si tu n'as pas la foi, but if you do not have faith, mais je te conseille d'avoir la foi. But I counsel you to have faith. Amen. Et à combattre pour cette foi. And to battle for this faith. Nous continuons pour lire. We continue reading. Il est dit le verset 17 déjà. Prenez aussi le casque du salut. Amen. Amen. Et l'épée de l'esprit, the helmet of salvation and the sword of the spirit, qui est la parole de Dieu, which is the word of God. Prenez le casque du salut. Take the helmet of salvation. Tu dois croire. You must believe. Oui, tu dois croire que tu es sauvé. That you've been saved. Si tu ne crois pas que tu es sauvé, if you do not believe that you've been saved, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. That means you're not saved. Christ est notre salut. Christ is our salvation. Christ en nous. Christ in us. C'est l'espérance de la gloire. It is the hope of glory. Romains 8 nous montre. Romans 8 shows us que c'est en espérance que nous sommes sauvés. That we are saved in that hope. Amen. Amen. Mais ton âme maintenant là. Now your soul. Ton âme maintenant là est sauvée. Your soul is saved. Si tu crois if you believe, de tout ton cœur maintenant, now, Dieu te donne le salut aujourd'hui. God give you salvation today. Amen. Amen. Maintenant, le salut que tu attends, now, que tu espères, that you are expecting, c'est le salut de ton corps. Is the salvation of your flesh. En espérant, nous sommes sauvés. And in hope we are saved. Ça, c'est lorsqu'il apparaîtra. It is when he ce corps. Amen. This body. Il va disparaître. We disappear. Et nous serons tels qu'il est. And we shall be as he is. Mais maintenant que tu crois, that you believe, amen, amen, tu es sauvé. You are saved. C'est pourquoi tu dois avoir l'assurance, you must have that firm assurance, de ton salut. Of your salvation. Oui. Si tu n'as pas cette assurance, if you do not have that assurance, tu perds le temps. You're wasting your time. Tu es un religieux. You are religious. Amen. Mais tu dois croire, but you must believe, que je suis sauvé. That I am saved. Oui, crois ça de tout ton cœur. Believe that with all of your heart. Oui, comme, yes. Crois ça pour que l'enfer puisse entendre. Believe that so that the hell will hear. Confesse ça. And je suis sauvé. I am saved. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Que l'enfer écoute. Let heaven and let hell hear it. Amen. Amen. Crois ça de tout ton cœur. Believe it with all of your heart. Le jour où Jésus t'a sauvé. The day Jesus saved you, c'est le jour de victoire pour toi. Is the day of victory for you. Amen. Amen. Et ce jour-là, and that day, amen, amen, l'enfer hell a perdu son pouvoir. Lost his power. Amen. Amen. Donc tu dois marcher, you must walk comme un victorieux. As a victorious. Je suis sauvé. I am saved. Je suis sauvé. Vous savez, I am saved. Je vais vous donner un petit témoignage. I'll give you a little testimony. Mon oncle qui est ici là, my uncle who is here, m'appelle une fois. Me one day. Il me dit, you say, oh petit, tu sais, il faut avoir la diplomatie. Little man, you have to be a diplomat, you have to use diplomacy. Tu sais, en Afrique, il y a tous les sorciers. In Africa, we have so many witches. Tu n'envoies pas l'argent aux gens. If you do not send money to people, ils vont faire la sorcellerie contre toi. They will be against you, they will do witchcraft. Je lui ai dit qu'ils essaient. I said, well, let them try. Oui, et je lui ai dit ouvertement. And I said to là où je suis, openly, ils ne vont pas m'atteindre. Where I am, they cannot. Parce que tout ce qu'ils vont faire, because all the ça va les tourner contre eux. They will return to them against je n'ai même pas besoin de prier pour ça. Even need to pray for parce que je suis sauvé. Because I am saved. Oui, je sais que tu pries. J'ai dit non, ce n'est pas que je prie. I know that you pray. I said, no. Je suis convaincu. Not that que je suis sauvé. I am convinced that I'm saved. Amen. Amen. Et je suis dans les mains de Dieu. That I am in the hand of God. Je lui ai dit là où je suis. I said to ils him, ils ne peuvent pas m'atteindre. Where I am, they cannot. Parce que c'est écrit que il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Qu'il aille me chercher là. For them to go and find me there. Ça sera pas facile pour eux. It will not be easy for them. Amen. Amen. Ça. Tu dois le croire. You must believe that. Oui, que l'enfer écoute que that hell should tu es hear sauvé. You are saved. C'est important. It's important. Amen. 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 Prends ça.
C'est ça le casque du salut. This is the helmet of salvation. Avec assurance, je suis sauvé. I am saved. Racheté par le sang. Redeemed by the blood. Oui. Yes. Quand je viens, when I come, amen, amen. Le diable doit fuir. The devil must run away. C'est comme ça. That's the way it is. La Bible dit, the Bible says, partout où vous mettez la plante de vos pieds. Wherever I will step. Amen. Dieu a dit à Josué, je te donne ça comme possession. God said to Joshua, I give it to you as possession. Oui. Ce sont des paroles que Dieu nous a données those comme droit. That God gave us that we must believe it. Confessons ça. And we should confess this. Vous allez voir. And we shall see. Je me rappelle quand je mis mes pieds dans ce pays. I remember when I placed my step, I took a step in this country. Et quand on m'emmenait en prison, là où j'étais. That they were taking me in detention where I was. Amen. Amen. Avec le frère Sam, pour la première fois, on a parlé. With brother Sam, we spoke for the first time. Amen. Amen. J'ai confessé cette parole-là. I confessed that word. Il dit, frère, prie pour moi. I said, brother, pray for me. Mais je sais une chose. Well, I know one thing. Dieu a dit. À Jésus, partout où tu mets tes pieds, je te donne ça. Amen. Ce sont des paroles qui sont vraies et justes. Aujourd'hui, je suis là. Amen. Si tu es là aujourd'hui, parce que Dieu te connaît, Dieu t'a vu. Combien de problèmes tu as passé? Combien de fois t'as dit que tu devais mourir? Amen. Mais Dieu est là. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. C'est pourquoi croyez que vous êtes sauvé. Croyez. Acceptez déjà votre délivrance. Amen. Et vous verrez le reste accompli. Prenez le casque du salut, frère. Nous allons bientôt terminer. Il est dit, le verset 18. Verse 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Always with all prayer and supplication in the spirit. Oui, et des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Watching thereunto with all perseverance. Et priez pour tous les saints. And supplication for all saints. Vous voyez que il y a le casque du salut. You see that there is a helmet of salvation. La prière. The prayer. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. The helmet, the shield of faith. Amen. Amen. Le zèle que donne l'évangile de paix. The zeal that gave the gospel of peace. La vérité. The truth. Qui est la cuirasse de la justice. Which is the breastplate of ce sont des armes. Those are armor que nous devons toujours avoir that we must always have pour combattre contre l'incrédulité. Parce que notre combat c'est contre l'incrédulité. Because our warfare is against the belief. Amen. Et nous devons combattre and we have to battle pour que notre foi puisse aller grandissante. Our faith. On a un problème de temps pour lire. We have problem of time. Lisons quand même rapidement pour voir. Lisons 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. Amen. Prenons le verset. Prenons le verset 4 de Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, 4. Il est dit, car les armes avec lesquelles nous combattons for the weapon of our warfare ne sont pas charnelles, carnal, mais elles sont puissantes par God la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Down of nous renversons les raisonnements. Amen. Nous renversons les raisonnements. Casting down imagination. Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. And every high thing that excels itself against the knowledge of God. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Si vous avez une pensée captive encore. If you still have a thought that is captive, alors nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, soyez libérés. That you will be set free. Acceptez. Acceptez votre salut. Your salvation. Acceptez le pardon de vos péchés.
forgiveness of laissez que la vérité de l'évangile vous pénètre. The truth of the gospel to penetrate et que votre pensée qui est captive, and that your thought that is captive devienne obéissante à Christ. To Christ. Oui, amen. C'est le meilleur maître. Master. Amen. The best master. Je réponds cette écriture, cette, ce verset. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, qui croit que sa pensée est soumise à Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez libérés. Amen. Ne laissez jamais que le diable vous donne les mauvaises pensées. Jamais. Amen. Amen. Ne laissez jamais que votre pensée soit captive. Jamais. Mais soumettez-vous à Christ. Amen. C'est le meilleur maître qui puisse exister. The best master that can exist. Amen. Le verset 6. Verse 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. And having in readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Oui. Par l'autorité de la parole, nous pouvons le faire. Paul le dit, the word, we can do this. Toute désobéissance peut être punie. Paul said, every disobedience can be punished. Seulement lorsque nous-mêmes nous nous soumettons à Dieu. Lorsque nous obéissons complètement à Dieu. Amen. Toute désobéissance peut être punie. Every disobedience can be punished. Croyez-vous cela? We believe it. Que Dieu vous bénisse aussi. Yes. Voici le temps convenable. This is the appropriate time. Aujourd'hui, Dieu vous sauve. Today, God save you. Aujourd'hui, Dieu vous libère. Today, God set you free. Aujourd'hui, Dieu vous justifie. God justify you. Aujourd'hui, il vous sanctifie. Il vous donne son esprit. Aujourd'hui, il vous guérit. Amen. Acceptez votre guérison. Amen. N'acceptez pas une pensée négative sur vous. Mais croyez que vous êtes sauvé. Mais vous êtes libéré. Amen. Les épreuves sont là. Mais combattez. Combattez avec la prière. Combattez avec le salut que vous avez déjà. Christ. Amen. Combattez avec la foi. Combattez avec le zèle. Combattez avec la vérité. Prenez la parole de vérité. Méditez cette parole. Lisez cette parole. Croyez-la. Lorsqu'il y a un problème, faites confiance à Dieu. Il a dit, invoquez-moi. Et je vous répondrai. Tu as un problème? Invoque le Seigneur. Certainement, il te répondra. Parce que c'est la vérité. Amen. Il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des supplications. Par des prières. Et des actions de grâce. Amen. Et le Dieu de paix, and the God of peace, qui connaît toutes choses, gardera vos pensées en Jésus-Christ. Et cela va arriver parce que c'est la vérité. That's the truth. Oui, c'est une arme. Yes, it is. Prenez ça avec vous. Take it with you. Allez de l'avant. Ne laissez plus Satan vous malmener. No longer let Satan play with you. Rappelez-vous qu'il passe toujours par la pensée. Always remember that he came through a thought. La pensée qu'il va mettre en vous, c'est essayer de vous montrer que Dieu n'existe pas. To show you that God does not exist. Que le sacrifice de la croix n'a pas that eu lieu. The sacrifice of the cross. Résistez à cela. Amen. Amen. Par les armes que nous avons vues. Que Dieu vous bénisse richement. And God bless you richly.